Maintenant, je vous invite à écouter le mandat de Samaria qui va nous donner le discours en langue française. Donc, je vous convie à rester tranquille et à être attentif à son discours. Je vous remercie infiniment. Monsieur le grand moufti de Marseille, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, monsieur le maire de la ville de Marseille, messieurs les notables de la communauté de Marseille, honorables invités, chers parents, chers amis, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. C'est avec un réel plaisir et une joie immense que je vous souhaite tous la bienvenue au nom de l'Union pour le renouveau des Comores et à mon nom personnel. Je vous remercie infiniment pour avoir bien voulu, en dépit de vos occupations multiples, nous honorer de votre présence. Je tiens chaleureusement à remercier les membres fondateurs de ce parti politique et je me joins à eux pour lancer un appel à tous les Comoriens et Comoriennes et on vous dit, l'Union pour le renouveau des Comores a besoin de vous. On ne peut pas avancer sans nous et vous. C'est ensemble que nous ferons avancer notre pays. C'est ensemble que nous vaincrons. Dans cet élan, je ne saurais oublier les personnes qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette inauguration et l'on peut tous les féliciter pour ce grand succès. Aimables auditeurs, c'est une journée très particulière pour notre parti qui a fait un choix radical, le choix du bonheur des Comoriens, l'épanouissement de tout un chacun dans la démocratie. Voilà notre projet de société. Nous verrons bien entendu ultérieurement comment nous allons le concrétiser, mais c'est ensemble, main dans la main. Honorable assistance, nous avons une histoire que nous ne pouvons absolument pas continuer à ignorer. Et comme le dit le dicton comorien, si on ne sait pas où on est, on ne pourra pas savoir où on va. Notre but aujourd'hui, c'est de lancer un appel à ceux et à celles qui aspirent à un développement réel de notre pays et qui gardent un espoir. Et je vous le dis, cet espoir, c'est dans l'Union pour le renouveau des Comores. Avant de terminer le propos, je tiens à préciser que créée depuis 2010, l'Union pour le renouveau des Comores est une structure amicale qui a toujours évolué au cœur des Comoriens. Mais il est temps, oui, il est temps pour lui de devenir un parti politique pour que les Comores avancent et deviennent le nouveau Comore qu'on attend tous. Vive les Comores, vive la France, je vous remercie. Merci beaucoup, Camaria. Donc, merci infiniment. Messieurs les notables de la communauté comorienne de Lyon, messieurs les notables de la communauté comorienne de Marseille, qui a fait le développement pour venir à Lyon. Honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs,
Assalamu alaikum. C'est avec un réel plaisir et une joie immense que je saisis cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue au nom de l'Union pour le renouveau des Comores. Et bien sûr, à mon nom personnel. Aussi, je présente mes vifs remerciements pour avoir bien voulu, en dépit de vos multiples occupations, nous honorer de votre présence. Je voudrais aussi remercier les membres fondateurs de ce parti politique. Je vous remercie pour cette initiative et je me joins à eux pour lancer un appel à tous les Comoriens et Comoriennes en leur disant que l'Union pour le renouveau des Comores est avide de leur savoir-faire. Nous leur tendons les bras. Ensemble, nous ferons avancer notre pays. Ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah. Bien entendu, dans cet élan, je ne saurais oublier la communauté comorienne de Lyon qui s'est investie pour l'organisation de cet événement. Sans elle, cette journée, elle n'aurait pas eu lieu. Encore une fois, merci. Merci pour cette preuve de fraternité, de solidarité et de bienveillance. Honorable assistance, le 12 mai dernier a eu lieu à Marseille le lancement officiel de l'Union pour le renouveau des Comores. Aujourd'hui, nous avons fait ce déplacement qui, pour nous, disons à la communauté comorienne de Lyon que vous devez prendre part et vous avez pris part dans cet événement. En effet, l'Union pour le renouveau des Comores et aussi votre parti, vous êtes des acteurs incontournables pour l'avenir de notre pays. Personne n'ignore l'état actuel de notre pays, les innombrables maux qui le frappent. Toutefois, l'Union pour le renouveau des Comores reconnaît les efforts fournis par les nombreux partis politiques qui ont géré les affaires de l'État. Mais cela ne nous empêche absolument pas de constater qu'il reste beaucoup et beaucoup à faire. L'initiative d'aujourd'hui est un appel lancé à tous les Comoriens et Comoriennes, en France et même ailleurs, à tous ceux qui aspirent à un développement réel de notre cher pays, pour leur dire il est temps, il est vraiment temps de retrousser nos manches. Nous assistons à une dérégulation complète de nos institutions, dans plusieurs domaines, notamment la justice. Et nous savons que la justice est un domaine charnière pour l'instauration de la démocratie et le développement durable. L'éducation nationale, bien entendu, qui a un rôle fondamental à jouer, qui doit être en mesure d'assurer une formation solide. Aussi, pour un contrôle des services fiscaux, de la douane, il faut des organes indépendants, comme il en existe ici, la Cour des comptes, etc. Je vais être brève, la journée est courte et il y a beaucoup à dire. Vous savez tous que là, on commence notre combat. Et nous avons tous besoin de tout le monde, main dans la main. Avant de terminer mon propos, je tiens à vous rappeler que la stabilité d'un pays, je ne vous l'apprends pas, repose sur une justice transparente, équitable et indépendante. En cela, l'Union pour le renouveau des Comores est consciente. Vous direz, oui, effectivement, vous êtes conscient. Mais voilà l'espoir de l'Union pour le renouveau des Comores réside dans ce monde d'interdépendance dans lequel nous vivons. Un monde qui veut que le changement ne peut intervenir que main dans la main.
une solidarité indéniable. Ensemble, Comoriens et Comoriennes, nous vaincrons. Vive les Comores, vive la France, je vous remercie. Salam alaikum. Messieurs les notables de la communauté comorienne de Nice, messieurs les notables de la communauté comorienne de Marseille qui ont bien voulu faire le déplacement de Marseille à Nice, honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'Union pour le renouveau des Comores, l'URC, se penche sur plusieurs domaines aux Comores, entre autres la justice qui a été développée précédemment dans la ville de Lyon, la santé et l'éducation. Cette dernière, qui n'est autre que l'éducation, retient plus beaucoup notre attention aujourd'hui dans la ville de Nice. En effet, force est de constater que l'éducation nationale constitue un sujet de réflexion qui soulève une véritable problématique. Une jeunesse bien instruite est la principale richesse d'une nation. L'URC fait de la jeunesse comorienne la priorité parce que malheureusement cette jeunesse subit une négligence considérable. Ce constat implique naturellement la lutte contre l'échec scolaire qui est l'un des maux qui ronge notre pays. Et pour cela, il faut penser à faire une réforme du système scolaire qui est actuellement défaillante. Après les parents, qui sont les premiers éducateurs des enfants, suivent les maîtres d'école. Si les parents n'ont pas besoin d'être préparés pour apprendre à nos enfants l'école de la vie, pour les maîtres d'école, c'est une autre chose. En effet, ces derniers ont une mission délicate, celle d'instruire les enfants. Et pour cela, ils ont besoin d'être bien armés pour mener à bien cette tâche qui est de transmettre la connaissance et la sagesse. L'idée de créer une école normale de formation des maîtres est évidente. Former ceux qui vont former nos enfants. La scolarité doit être accessible à tous, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Elle doit être obligatoire et non une option pour les familles aisées. Dès 5 ans, de la maternelle au primaire, la scolarité doit être exigée, préservée et contrôlée. Cette première étape de scolarisation est un cap sensible, car au moindre dérapage, l'enfant perd son élan et l'échec scolaire commence. C'est là que tout commence. C'est pour cette raison que, durant tout le cursus scolaire, encadrement et accompagnement des élèves doit être mis en place pour mettre hors de danger la scolarisation de nos enfants. D'où l'idée d'une instauration d'un processus de soutien scolaire. Par ailleurs, la majorité des élèves sortent de l'école après de nombreuses années sans aucun diplôme. Donc souvent, les diplômes, on nous demande des diplômes. Mais si le système mis en place ne permet pas d'obtenir des diplômes, on n'est pas bien aiguillé dans notre vie. Donc souvent, parce qu'ils sont perdus sans aucun accompagnement après plusieurs lacunes accumulées, ils ne savent pas vraiment ce à quoi ils aspirent, ni dans quel domaine ils peuvent exceller. Ils ont une perte de confiance. Rattrapés par la confusion et ne sachant pas vraiment ce qu'ils veulent faire, ils perdent des années en restant sans diplôme et l'État, malheureusement, subit les conséquences lorsque la délinquance juvénile envahit le pays.
C'est pour cette raison qu'il faut instaurer une loi d'orientation pour l'école. Donc cette loi, comme son nom l'indique, permet aux enfants d'être entendus par des spécialistes à l'école, guidés et orientés dans ce qu'ils aiment et savent faire, ce qui évite une perte de temps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans la charmante ville de Nice, vous devez prendre conscience du fait que l'URC est le parti politique qui viendra au secours de la jeunesse comorienne et qui élèvera notre pays au sommet. Vive les communs. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, marhaba, marhaba. Messieurs les notables de la communauté comorienne de Paris, messieurs les notables de la communauté comorienne de Marseille qui ont bien voulu faire le déplacement de Marseille à Paris, honorables invités, chers parents, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le 12 mai dernier, a eu lieu à Marseille le lancement officiel d'un parti politique prénommé l'Union pour le Renouveau des Comores, URC. Le président élu, M. Amada Fochoa, en commun accord avec le bureau exécutif et le conseil des sages, ont jugé opportun d'entamer une tournée d'information et de sensibilisation afin d'informer dans les principales villes de France à forte densité de nos compatriotes le but et le projet de l'URC. C'est dans cette optique que nous étions à Lyon le 22 septembre et à Nice le 3 novembre dernier. Et en ce dimanche 22 décembre, nous sommes là devant et avec vous afin de clôturer la tournée dans cette capitale où réside un grand nombre de Comoriennes et de Comoriens. Toujours dans cet élan, après votre bénédiction bien entendu, nous souhaitons entreprendre au mois de février 2004 une tournée analogue en Union des Comores en vue de tenir sur place notre premier congrès. Encore une fois, nous solliciterons votre soutien. Comme vous pouvez le constater, l'URC est un parti politique créé par les Jeuviens. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes les souffre-douleurs, nous les Jeuviens, nous sommes les souffre-douleurs du fardeau qui frappe notre pays. Aussi bien au niveau politique qu'économique, en dépit de notre éloignement physique. Donc à distance, on souffre à distance, bien que les événements qui ne vont pas se font là-bas, au pays, sur place. Donc l'idée nous est venue de nous regrouper en une force politique capable de réfléchir et d'agir sur le devenir de notre cher pays et espérer un avenir meilleur pour nous et pour les générations à venir. Nous, Comoriennes et Comoriens de la diaspora, avons le droit de demander des comptes à nos dirigeants, de nous intéresser de plus près à tout ce qui se passe là-bas au pays, sachant que 800 000 âmes que nous constituons, nous la diaspora, apportant rien qu'en transfert et autres mandats, une manne de 90 000 milliards de francs comoriens. Et ces chiffres sont bien évidemment reconnus par les autorités elles-mêmes et ça constitue plus de 3 fois le budget de l'Union des Comores, 3 fois. Donc à ceci, il faut aussi rajouter, mesdames et messieurs, les sommes considérables que vous et moi confions aux voisins lorsqu'ils partent au pays. Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi les frais de scolarité que nous envoyons aux jeunes de nos familles respectives tous les mois, inscrits dans des universités et grandes écoles hors du pays. Et cela
comment dire, c'est un budget considérable. Donc on va prendre deux exemples, rien qu'au Maroc et en Égypte par exemple, cette masse estudiantine représente plus de 4000 jeunes avec comme seul budget le sacrifice louable de l'oncle, de la tante, de la sœur, du frère qui triment en France pour essayer de joindre les deux bouts. Donc tout cela compte sur nous. Et il y a aussi un apport non moins négligeable relatif aux soins sanitaires que nous payons à nos proches qui, faute de mieux, se font soigner à l'extérieur. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous soigner dans notre propre pays? Pourquoi sommes-nous obligés d'aller à l'extérieur? Pourquoi rien n'est mis en place pour les soins de qualité? Donc, et quand on pense à ces infrastructures communautaires qui sans nous ne verront jamais le jour, et j'en passe, parce que la liste est longue. Donc tous ces problèmes-là, il faudra y penser. Ceci, mesdames et messieurs, prouve que nous, Comoriens de France, sommes les acteurs incontournables pour le développement et la cohésion sociale de notre pays. Et aucun gouvernement, je m'en foutiste soit-il, n'a le droit de nous exclure du débat politique. Nous avons le droit de nous intéresser et de nous soucier du débat politique là-bas au pays. Nous, Comoriens et Comoriennes résidant en France, sommes plus nombreux que ceux inscrits sur les listes électorales au pays. Et nous sommes, c'est vraiment un paradoxe, nous sommes le seul pays qui n'a pas le droit de voter. Nous sommes exclus des élections nationales de notre pays. Et aujourd'hui, nous voulons que ça change pour le bien de notre beau pays. Honorable assistance, qui parmi vous n'a jamais subi le mauvais traitement qu'on nous réserve lorsqu'on arrive aux Comores? Qui parmi vous, dites-moi? Sans compter les taxations et autres frais exorbitants que nous payons pour nos modestes colis, excusez-moi. Quand on arrive à la douane, par exemple, le dédouanage, en plus d'être coûteux, mais il est d'une complexité, vertigineuse. Il y a tellement de démarches à faire qu'on croirait qu'on voudrait peut-être dédouaner un bateau entier. Mais encore, qui parmi nous n'a été un jour contraint de laisser une partie de sa famille en France, surtout les jeunes enfants, faute de pouvoir payer les billets pour toute la famille? Donc à cause de leur prix, encore une fois, exorbitant. Un état de fait qui ne peut que porter préjudice aussi bien à nos enfants qu'à nous, bien sûr, puisqu'ils sont un peu coupés de leur pays, qu'au pays lui-même. Donc le pays qui n'a pas de relation avec les Jeuviens, qui ne peuvent pas découvrir leur pays, c'est une perte pour le pays. Donc pour le développement économique des Comores, et ceci comprend évidemment les facilités de déplacement de ce qu'on appelle le tourisme affinitaire, c'est-à-dire le retour au pays pour les vacances et la visite aux familles de la diaspora comorienne en France, mais il est absolument nécessaire que les Comores en acquièrent la maîtrise. Ça se fait dans beaucoup de pays, les facilités de voyage, mais aux Comores, ça n'existe pas. Cela passera obligatoirement par la création d'une compagnie nationale qui peut être privée, semi-privée ou d'État, soit en s'appuyant sur la compagnie déjà existante, soit par une création d'une nouvelle compagnie aérienne de droit comorien. Mais bien entendu, cette dernière option demande une recherche de capitaux auprès des organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale ou bien la Communauté européenne, par exemple. Donc le montage d'un lourd dossier est beaucoup de travail. Mais le jeu en vaut le coup. Et l'URC s'est déjà penchée sur cette option. Mais c'est malheureusement une situation qui n'a jamais inquiété nos autorités. Des autorités qui, au lieu de négocier avec des agences pour améliorer les conditions de transport de leurs ressortissants, ne font qu'augmenter les taxes pour mieux se remplir les poches. Et ça, c'est une réalité, une bien triste réalité. On n'en parle pas souvent, mais les taxes qui augmentent, on ne sait pas pourquoi, font augmenter les billets, par exemple.
Donc si la diaspora comorienne en France ne se soulève pas et ne se mobilise pas dans le bon sens, ça ne changera jamais. Soyez-en sûrs et certains. Dans ce sens, l'URC tend les bras à celles et ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du pays et aspirent au changement. En vous invitant à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous relevons le défi de vrai pour notre pays. Naturellement, nous sommes conscients que tout est à refaire, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les routes, la corruption dans le pays. Les défis sont nombreux, mais notre parti est prêt à relever le renouveau de notre pays, le renouveau des Comores. Et pour redonner à notre pays la fierté d'appartenir à ce pays, il va falloir tous nous accompagner. Avant de terminer, je voudrais dire à ceux qui peuvent se rendre disponibles pour nous accompagner au pays, prendre l'avion, aller aux Comores. Donc je vous le rappelle, au mois de février 2014, donc tous ceux qui peuvent, ben, ils seront les bienvenus parmi nous. Plus nous serons là-bas sur place, et mieux sera illustrée notre détermination et notre sérieux pour représenter le parti politique qu'est l'URC. Merci de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc à l'issue de cette journée à Paris, nous clôturons en fait une tournée de sensibilisation à travers toute la France. On avait commencé à Lyon, on avait développé le point de l'éducation. On a fait une journée à Nice et aujourd'hui nous sommes dans la capitale. Donc c'est quand même un point phare de notre présentation de l'URC. Et aujourd'hui nous sommes très fiers d'avoir pu sensibiliser les Parisiens. Donc leur faire comprendre que on a, nous les Jeuviens, un impact vraiment important face à notre pays et que ben, un jour, lorsque nous aurons avancé avec l'URC, nous pourrons, je l'espère, Inch'Allah, nous pourrons avancer et améliorer notre pays. Merci. Merci.